Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16 pour un match amical. Hein, donc, nous allons faire un match en exhibition. Je suis en compagnie de Maxime dans la vidéo. Hein, bon, il joue pas avec moi, mais il est là quand même. Donc, ben, Salut tout le monde. voilà, Je suis là. tu peux dire bonjour et tout. Bien. Voilà, donc il est là avec C'est nous. fait, c'est fait. Dans cette vidéo, en même temps, je vais en profiter, enfin, il va en profiter pour faire un peu de pub pour la rétrocompatibilité sur Xbox One qui sort le 12 novembre Alors de la avec la pub en effet. version finale de l'interface. Voilà. The One Core. Pourquoi tu dis ça? S'appelle One Core. Parce que c'est la... Ça s'appelle One Core. One Une core. nouvelle interface. D'accord. J'ai lu ça un jour et j'ai toujours voulu en... J'ai toujours voulu le sortir en vidéo. Donc aujourd'hui, Enfin nous allons bref. prendre, dans cette vidéo, nous allons prendre Lille contre l'AS Saint-Étienne. Allons-y, c'est parti. En espérant qu'on va gagner. Parce que avec Lille en ce moment, j'arrête pas de perdre tous les matchs. Hein. Facile, comme vous pouvez voir. Alors je regarde les paramètres hein, de la manette et tout, hein, parce que j'ai pas été là pendant un petit moment. Allez, on va jouer ce match. Ok. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce match. Ouais, bonjour Hervé, bonjour à vous qui nous regardez chez vous. Johnny, j'ai juste embêté 2 secondes. Et dans Oui, ce match, nous comme ça fait retrouvons longtemps qu'on n'a pas fait Lille une vidéo. face à Saint-Étienne. Je sais plus ce que je voulais faire, mais d'habitude. Attends, 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 c'est bien fait. Mais c'est vrai que c'est deux Avec le équipes, son je sais jeu, pas, c'est possible, je t'entends pas, plutôt une donc je vais bonne baisser qualité de la partie. le son de jeu dans les paramètres. Alors, attendez, une petite minute, s'il vous plaît. Alors, comme vous pouvez voir, avant que je fasse ça, vous pouvez voir la composition de Lille. Nous jouons en 4-5-1. 4-5-1, voilà. Hein. Bon, là, on se serre la main et tout, tranquille, hein. Ça va, mon pote, ouais. Le réalisateur qui vous présente là, cette la composition composition de l'équipe l'équipe Saint-Étienne qui joueront c'est un en milieu à 3 qui sera cherché à planter les 3 attaquants. 4-2-3-1. C'est donc un 4-3-3. Ah non, un 4-3-3. Désolé. Arbitre Sébastien Mitray, un Français, donc j'espère qu'il ne mettra pas de carton rouge cette fois-ci. Donc attendez avant que le match commence, je vais baisser le son des. Des. Merde, Ouais, mais ça fait mal aux oreilles. Pouvoir commencer et tu me disais Maxime, tu me disais quoi? Non mais je te demandais si tu savais avec quoi je montais les vidéos d'habitude, mais en fait c'est bon, j'ai retrouvé. Le mec qui connaît même pas son PC, c'est la honte. Et en oh, plus tu vas devoir tout réinstaller dans 2 semaines ton nouveau PC. Mais non, 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 t'inquiète pas, il est intelligent. J'ai rien téléchargé en logiciel, j'ai tout téléchargé en décompressé, donc c'est j'ai juste à mettre ça sur une clé USB. Il est pas con le mec. Il est pas con le mec. Bah attends, des fois... Non, je plaisante. Ah merde. Tu te tais. Tu te tais. J'ai raison. Tu as tort. Tu te tais. On a tous les deux raison. Ah, c'est bien, le soleil non, se mais, couche. Sur le coup, je savais que...
Là, j'ai le soleil dans la télé, c'est un peu. C'est un peu bizarre, quoi. Il se couche déjà le soleil chez toi? Bah, non, mais il y a un gros nuage gris qui passe, quoi. Ah oui, ah oui. Oh, bien joué, bien joué. Allez, rattrape le ballon. Parfait, 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 parfait. Le drapeau s'est levé, il a déclenché ce qu'on appelle de balle. Un petit poteau. Un petit poteau, son appel de balle. Il est hors jeu avec son ventre. Pardon. Non mais c'est pas grave, hein, t'inquiète. C'est les aléas du direct. Eh merde. Non, les aléas. Les aléas. Ouais, les aléas, ouais. Il me tue ce mec. Mon dieu. T'as dit quoi en fait? Non, j'ai dit les aléas. Non, t'as pas dit ça. Je crois que je me suis... Ah, je crois que t'as dit... Les alinéas, oh, non? J'ai un de ces bugs là. Ah là là. Ça faisait longtemps. Non, c'est bon. C'est bon. On avait dit 1080p. Moi, je mets mes vidéos en 720. Ça va plus vite. Non, bah, ouais, là, comme c'est une petite vidéo. Toi, tu as la fibre, donc tu peux te permettre. En fait, ça change rien du tout. Hein. Ah bon? Ça va plus vite? Non. Ah non. D'accord. Okay. C'est de la merde. On va encore me faire baiser par SFR. D'ailleurs, je sais pas si. Désolé à ceux qui travaillent à SFR, mais s'ils regardent cette vidéo. Non mais je pense que même ceux qui sont chez SFR, ils savent qu'ils c'est pas bien d'être chez SFR. La ville le savent aussi. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Je sais pas, t'avais fait des vidéos sur Assassin's Creed Syndicate, Johnny? J'en ai fait qu'une seule. J'en ai fait qu'une seule. Moi aussi. C'est la vidéo découverte. Moi aussi. Je vais pas troller le machin, tout ça. Je sais pas si tu l'as fini, Johnny, ou pas. De quoi? J'ai fini quoi? Assassin's Creed. Unity? Non, Syndicate. Ah bah non, je l'ai pas fini, non. J'ai touché. Je te spoil rien du tout. J'ai rien spoilé du tout, mais je pense, je vais le dire en grand fan, comme ça ta chaîne le saura, et puis s'il faut, je le dirai aussi sur ma chaîne. Ouais, vas-y. En grand fan d'Assassin's Creed, ce jeu, il est très bien. Il était mieux fait que Unity, même si on voit où c'est qu'ils ont rattrapé les erreurs. Seulement, j'ai pas du tout accroché. Franchement, je l'ai trouvé à chier dans l'histoire. Ah ouais? Pire que Unity. Ah oui. Bah Unity moi j'aime bien parce que c'est un peu la révolution hein, et tout donc mais moi ce que je trouve dommage dans l'Assassin's Creed c'est c'est une simulation en fait dans le jeu. Et moi je trouve ça un peu dommage. Moi c'est ce côté là que j'aime tu vois. Ah bah moi tu vois c'est ce côté là que j'aime. Mais je pense qu'on s'est beaucoup éloigné depuis qu'on a eu le 2, bah même le 1, on s'est vachement éloigné de ce qu'ils avaient fait à la base, mais honnêtement, je crois que c'est celui qui m'a le plus déçu. Pardon, désolé, j'ai fait me prendre un but. Désolé. Ouais. Ah, donc, on parlait d'Assassin's Creed. Ça fait style, hein. Je suis en train de faire un FIFA et on parle d'Assassin's Creed. Mais non, mais il faut bien meubler. Après, on va passer sur la rétrocompatibilité, mais là, faut bien meubler. Et puis j'avais envie de parler de ça avec toi aussi. Oui, bah oui, t'as... Non, franchement, il est décevant. Non, il est décevant. Déjà, même côté graphique, il est très beau, mais quand on était sur Unity, qu'on était sur un point d'observation, vous voyez tout ce qui se passait à terre. Maintenant qu'on est sur un point d'observation dans Syndicate, il n'y a plus rien qui est affiché. Il n'y a même plus de personnages. Il y a 2-3 calèches comme ça de temps en temps. Ah, d'accord, bah super. C'est ça que je trouve un peu dommage, en fait. Ouais. Mais c'est ça que je trouve un peu dommage en fait. Ils ont pas cherché à pousser le moteur graphique un peu plus loin. Voilà, hein. Tant mieux, on n'a pas eu de bug. Mais... Hey, mais là je trouve, pour parler d'un autre jeu, je trouve que Black Ops 3
Il est bien aussi. Il est génial. Bah on va sûrement faire des vidéos dessus. D'ailleurs, tu je pense que je vais me le prendre parce que j'ai. Non, je l'ai pas. Mais hier, j'ai eu un virement d'un certain montant qui m'a fait oui, plaisir dis pas, dis sur pas. Mon compte. Que. Non, non. Que je ne savais pas d'où ça venait, mais finalement, je sais d'où ça vient. Donc, je suis plutôt content. Ouais, on me l'a donc, offert, ouais, je pense que je vais le prendre. Parce que je devais le prendre sur le live, sur le Xbox Live. Mais comme on me l'a offert, ça sert à rien que je le prenne deux fois, quoi. Non, 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 non. Oh, attends, j'aurais juste un truc. Bien. Alors, il est vraiment mais très bien, oui. Mais putain, mais tire. Connard. Alors, YouTube. Wow, FIFA, c'est de la merde. Pour tirer un coup franc, bah, fallait pas l'acheter. C'est mal fait. On a fini la première période. On va faire tout de suite la deuxième période en faisant quelques petits changements. Hein. J'espère que je vais gagner parce que là. C'était quoi le mot de passe? C'était ça, je crois. Ah non. De quoi pour kebab? Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de kebab, faudra ouvrir notre resto hein. Ce soir. Bien sûr, bien sûr. Je t'attends ce soir. Mais les gens ne savent pas de quoi on parle, donc. Ouais, mais là, tu. Non, mais. Faut qu'on fasse une vidéo là-dessus. Tu ne me laisses pas tout seul. Hier, j'ai dû en virer 2-3 avec une coupure aux fesses. Hein. Donc, bon. C'est pour ça que je suis fatigué en fait. Alors là. Aujourd'hui. Ah oui, au fait, un point très important avant que je commence cette deuxième période. J'aimerais dire quelque chose et maintenant je le dirai à chaque vidéo que je ferai, même sur ta chaîne, hein, Maxime. C'est quoi ça, quoi non, c'est pas une connerie. Mm-hmm. C'est en fait les gens qui laissent des commentaires pourris, par exemple, en me disant t'es qu'une merde ou. T'es un bouffon ou quoi hein, s'il vous plaît les gens, si les vidéos vous plaisent pas, bah cassez-vous quoi. Allez vous faire mettre et puis voilà. Ouais voilà. Surtout que moi en fait je fais ça c'est pour ma part à moi c'est pour s'amuser c'est pas pour voilà donc les insultes s'il vous plaît les gens gardez-les pour vous quoi hein. Il y en a qui aiment, d'ailleurs, je pense vous remercie, que ce que Johnny veut dire. Je vous remercie aux 39 abonnés maintenant de me suivre. Hein. Je suis reconnaissant envers vous. Vous inquiétez pas. Mais par contre, les gens qui insultent ou quoi, bon, ben, voilà quoi. Hein. Vas-y, Maxime, hein, tu peux parler. Oui, je pense que ce que vous voulez dire. C'est qu'on vous dit de mettre un commentaire si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu, mais n'insultez pas les gens, c'est tout. Voilà. Je pense que c'était ça voilà, que c'est tu voulais ça dire. Que je voulais dire. En gros. Après, si la vidéo vous plaît pas, ben, vous nous faites savoir. Hein, vous pouvez nous le dire. Qu'est-ce qui va pas dans la vidéo? Et nous, on essaiera dans les prochaines vidéos d'améliorer, quoi. Hein. Ah, c'était juste, voilà, je voulais juste dire ça. Sinon, vous pouvez laisser un petit like et un petit commentaire sympa et à vous abonner. Pour moi, il n'y a aucun problème. Bah, pour personne. Parce que plus on est fou, plus on rit. Lol. Alors, allons-y pour la deuxième période de ce match, Lille contre Saint-Etienne. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai fait un petit changement. J'ai fait rentrer Mendes. Et en fait, sachez que bon, je joue pas en pro, hein, car bon, j'arrive pas. Et c'est ma façon de jouer, donc s'il vous plaît aussi. Voilà. Voilà. Ouais, je suis pas toujours sur les jeux vidéo non plus. Donc. Je tiens un fast-food. Je suis patron du McDonald's à Boulogne-sur-Mer. Donc,
Ah, si vous voulez venir, d'ailleurs, un petit like égale un hamburger gratuit si vous venez. Voilà. Ah, il y en a qui vont se pointer, ils vont dire... Imagine. À la gueule. Hop, ça, on va faire publier. Allez, hop, bien joué. Donc, on va peut-être parler de la rétrocompatibilité. Oui. Parce que c'est pas la fin du match. C'est bien beau, on parle, on parle. Non, c'est ça. Et t'es à combien de temps, là? 60 minutes. Donc la rétrocompatibilité. La rétrocompatibilité donc arrive le 12. Le 12 c'est ça. Le 12 comme à la sortie de finale de la nouvelle interface. On a déjà la liste des 100 jeux, si je me trompe pas dans le nombre. On en a pas mal. On aura déjà tous les Assassin's Creed qui étaient présents sur 360. Hormis le Black Flag, qui est présent sur One. Donc voilà. On a... Ça, je sais pas ce que c'est. Call of Juarez. Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est Cars. Je connais pas celui-là. On aura Crisis 3, Dark Souls, Dark Souls 2, Dead Space. Deus Ex Human Revolution, Dry San Francisco. Il y en a d'autres hein, que je ne cite pas évidemment, parce que sans ça va faire beaucoup. On a Fable 2, Fable 3, on aura Fallout 3, Far Cry 2, Far Cry 3. On aura également le Forza Motorsport 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura les Gears of War. On aura Halo 3, Halo 4, Halo Universary, Halo Wars, ODST Reach. Just Cause 2. Je donne les plus importants hein, que tout le monde connaît principalement. On aura Mass Effect 1 qui est déjà disponible en preview. On pourrait faire une petite vidéo dessus. Là. On aura quoi? Ah, le plus important, Viva Pignata. Non, je rigole. On aura Saint-Tro 1 et le 3. On aura tu connais Viva aussi, Pignata? On aura aussi Les Simpsons, Barbie. Nous aurons Lego non. City, non, c'est pas Playmobil, vrai. Nous aurons aussi, Lego City c'est de la balle gros, alors arrête. nous aurons Dora l'exploratrice, nous aurons aussi... Oui, Dora, faut pas l'oublier. Hein. Arrête ça. T'es en train de se démarrer aussi, gros. Hein. Bon, enfin bref, plein de jeux quoi. Il y aura Saint-Tro le 1, le 2, non, le 3, le 2, le 2. Splinter Cell Blacklist, Conviction Double Agent. Donc il y a de bonnes chances qu'à la sortie, c'est même sûr. Hein. De toute façon, les jeux que je fais en multijoueur avec Maxime, c'est sur la deuxième chaîne. Hein, donc je vous invite à aller voir, à se abonner, normal. Donc c'est Johnny et Vest Maxime. Parler, il y a eu un coupage de manette. Donc voilà. C'est pour ça que je dis ça, parce que t'as bugué. J'étais sur moi. Voilà. Oui. Donc il y aura du Blacklist hein, en COP. C'était ce que j'étais en train de dire. Du Blacklist, Splinter Cell Blacklist. Hein. Conviction, double agent. Je me rappelle plus si encore. Et voilà, on a ça déjà. Je pense que ça fait déjà pas mal. Il y aura Rainbow Six Vegas 1 et 2. Je pense qu'il y en a déjà pas mal. Prince of Persia, les sables oubliés, tiens. Lui m'avait fait kiffer ce jeu. Non, ou alors si c'est celui-là qui m'a fait kiffer. Non, dégage. Donc voilà. Si vous voulez la liste entière de la rétrocompatibilité, c'est sûr. Ça sera sur la vidéo qui est sur la chaîne COP. Donc Johnny versus Maxime, comme il venait de dire. Donc voilà. Sans, je mettrai le lien en même temps aussi dans la description. Ouais. Ouais. Mais il est en train de supploder là. Supploder. Applauder. 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 Voilà un petit but là, merde. Pour moi, pas pour eux.
Ah, j'aimerais dire que bientôt sur cette chaîne, il y aura une autre vidéo sur Call of, mais spéciale Kikou. Donc Maxime, je t'invite à venir. Et on la mettra d'ailleurs sur les deux chaînes. On la mettra sur les deux chaînes. Sur celle-là et sur la deuxième. Faut que tu me dises quand tu veux la faire aussi. Que je prévois d'acheter ce jeu. Tu pourrais l'avoir quand? En fait, le seul truc qui me pose problème avec Call of, c'est que quand je vais dans le marché, ou je sais pas si c'est par rapport à la nouvelle interface ou quoi, quand je vais dans le marché, par exemple j'ai Black Ops devant les yeux, je fais parcourir les jeux, imaginons. Oui. Alors, attends, ça charge. Ça charge. Patiente. Alors ça c'est pas ça. À la une, voilà. Imaginons. Voilà, nouveau jeu, j'ai Black Ops 3. Et quand je vais dessus, en fait, c'est soit la version à 99€, soit offre groupée seulement qui me ramène vers la version à 99€. Je ne peux pas avoir celle à 70€. Ouais, pourtant en plus, la 70€, truc qui m'empêche. Franchement, j'ai le coffret. Mais c'est pour ça, en fait, c'est le seul. C'est le seul problème, en fait. T'as eu un coffret? Bah oui, j'ai eu un coffret. Bah, peut-être que t'as acheté celle à 90 alors, non? Je sais pas. Je pense, hein. Il faudrait que j'aille directement au magasin. Coup, mais bon, des cons parce que. Non, mais oui. Parce qu'en fait, je sais à combien coûte le jeu, en fait. Je connais très bien le prix. Non, mais faudrait que je descende à Micromania et puis que je l'achète. Mais Achète-le en boîte au pire, c'est pas grave. Est-ce que je voulais revendre? Bah je pense de toute façon je vais l'acheter en boîte. Tout ça c'est un jeu au bout de un ou deux ans, ouais. Il va être oublié. Bah dans un an il y aura un autre de Call of, donc Bah voilà, ouais, c'est ça. Tout le monde vont abandonner celui-là, ils vont passer à l'autre. C'est exactement ça. Donc oui, voilà, le donc je est sais un peu pas. Futuriste, mais sinon ça va. Eh ben, en tout cas, ta gueule. Pardon, désolé, c'est mon chien. Ah. J'étais sur le point de vous quitter, donc j'espère que vous avez aimé. Laissez un petit like ou un petit commentaire. Et sinon, Johnny, on fera ça quand j'aurai mon PC. Désolé, je te coupe. On fera ça quand sinon j'aurai mon PC. Ouais, on fera ça quand il y aura le. L'ordi. Dégage, ouais. T'es touché. Heureusement, j'ai fini. Oula, on t'entend très mal. Ça devient un peu n'importe quoi, là. Pousse-toi. Ouais. Voilà. Ben voilà. Voilà. Bon, comme je disais, je vous laisse. Laissez un petit like ou un petit com. N'hésitez pas à vous abonner si vous le voulez. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde.